Bonjour à tous. On a vu dans une vidéo précédente que la construction d'une maison comportait cinq étapes essentielles. On a vu que ces cinq étapes pour la construction de la maison étaient placées de façon très linéaire, en cascade, hein, c'est-à-dire que chacune des étapes provoquait le démarrage de la tâche suivante, donc de l'étape qui était immédiatement placée après. On a vu également que ces cinq étapes étaient identifié par une lettre repère. Donc pour nos cinq étapes, nous avons cinq lettres A, B, C, D et E. Alors pour pouvoir attaquer la planification de notre projet, puisque c'est le thème de notre étude, ceci n'est pas suffisant. Il faut également connaître la durée de chacune de ces étapes. Alors le fabricant connaît parfaitement les durées de fonctionnement ou les durées de réalisation de chacune de ces tâches. Et pour la phase de terrassement, on estime la durée de travail à une semaine. Pour la pose de la fondation, on estime la durée de réalisation à 3 semaines. Pour les murs, 5 semaines. La charpente, 3 semaines. Et la toiture, 2 semaines. Cette fois-ci, à l'aide de ces valeurs et à l'aide du graphique qui décrit la succession des étapes, on va pouvoir compléter un tableau qui est essentiel pour nous, que l'on appelle un tableau de synthèse. Dans ce tableau de synthèse, on va pouvoir compléter la première des colonnes, qui est la colonne la plus simple à compléter, parce que là, c'est un report intégral des valeurs que l'on a énumérées précédemment, c'est-à-dire que dans le tableau, on va recopier pour chacune des tâches les durées en semaines, donc respectivement 1, 3, 5, 3 et 2. Ce travail très simple étant réalisé, on va maintenant pouvoir compléter la première colonne où on va analyser cette fois-ci le graphique et on va analyser pour chaque étape ce qui s'est passé avant. Ainsi, pour la tâche A, on va regarder ce qui se passe avant. Et on va s'apercevoir que juste avant la tâche A, bien, il n'y a rien. C'est normal puisque la tâche A, c'est la première étape de réalisation de notre maison. Si on s'intéresse ensuite à la tâche B, eh bien, on va s'apercevoir que la tâche qui a lieu immédiatement avant la tâche B, eh bien, c'est la tâche A. Et puis on fait la même chose pour chacune des autres étapes. Donc qu'est-ce qui se passe avant C? Eh bien, il y a l'étape B. Qu'est-ce qui se passe avant D? Il y a l'étape C. Qu'est-ce qui se passe avant E? Il y a l'étape D. Et on reporte tout ça à l'intérieur de cette colonne. Ce travail étant réalisé, on va compléter cette fois-ci la colonne qui est juste à droite. Alors cette fois-ci, on va prendre le problème à l'envers. On va regarder chacune des tâches et on va regarder ce qui se passe après. On observe bien le graphique et on va compléter pour la tâche A ce qui se passe après. Et on va s'apercevoir que ce qui se passe après la tâche A, eh bien, c'est la tâche B. Que se passe-t-il après B? Eh bien, nous avons l'étape C. Et puis après, ben, on continue la même analyse. Qu'est-ce qui se passe après la tâche C? Nous avons la tâche D. Qu'est-ce qui se passe après D? Nous avons la tâche E. Et qu'est-ce qui se passe après E? Eh bien, plus rien. Donc on va reporter tout ça dans le graphique, en mettant bien pour la tâche E le trait oblique qui indique qu'il n'y a plus rien après. Dernière phase de remplissage du tableau, eh bien ça concerne les deux colonnes date de début et date de fin. Alors pour compléter cette donnée, on va regarder la tâche A et on va s'apercevoir que la tâche A, il ne se passe rien avant. Eh bien, puisqu'il ne se passe rien avant, notre date de début sera donc égale à 0, puisque c'est la date de début de notre projet. Pour déterminer maintenant la date de fin de cette tâche A, eh bien, sachant que la durée de réalisation de cette tâche est égale à une semaine, on va faire la somme 0 plus la durée de la semaine, de telle sorte à avoir notre valeur de date de fin qui va être égale à 1. Donc je répète, on prend la date de début, on rajoute la durée en semaine et on obtient la date de fin. Dans notre graphe, dans notre tableau de synthèse, on s'aperçoit que la tâche qui a lieu immédiatement après la tâche A, c'est donc la tâche B. Et bien cette valeur de date de fin que l'on a identifiée pour la tâche A, on va la reporter pour la tâche B. C'est-à-dire que la date de début de la tâche B sera donc égale à la date de fin de la tâche A.
et on travaille tout le temps comme ça. Donc à partir de maintenant, si on veut déterminer la date de fin de la tâche B, eh bien on va prendre la date de début de la tâche B, qui est égale à 1, et on va rajouter la durée en semaine de la tâche, 1 plus 3 sera donc égal à 4. Et on complète ainsi notre tableau avec les différentes données, puisque on voit que pour la tâche B, la tâche qui a lieu immédiatement après, c'est la tâche C, donc les fameux 4 que l'on a calculés précédemment vont être reportés dans le tableau en tant que date de début de l'étape C. Et on va, comme ceci, compléter les différentes données, donc 4 pour la tâche C, 4 plus la durée qui est égale à 5, ça nous donne 9, 9 que l'on reporte ensuite pour la tâche D, et ainsi de suite, et on arrive à une date finale de 14 semaines. Alors on n'a pas fini pour autant notre travail, puisque ce tableau de synthèse va me permettre de compléter ce que l'on appelle le diagramme de Gantt. Alors qu'est-ce que c'est qu'un diagramme de Gantt ? Ben, c'est un graphique, en fait, où on va représenter, sous la forme de cases colorées, les durées de chacune des tâches. Alors pour la tâche A, on s'aperçoit que si la date de début est égale à 0, la date de fin est égale à 1, et que la durée en semaine est égale à 1 semaine. Eh bien, pour la tâche A, on va colorier notre première case en partant de 0 et en terminant à 1. Et puis bien évidemment, la date de fin sera la date de démarrage de la tâche suivante. Donc on va pouvoir reporter ainsi de suite la tâche B qui dure 3 semaines, puis la tâche C qui dure 5 semaines, la tâche D 3 semaines, et enfin la tâche E qui dure 2 semaines. Donc cette représentation graphique qui est très importante s'appelle le diagramme de Gantt et c'est ce qui nous permet de déterminer la durée complète du projet. Voilà, merci de votre attention, à bientôt.